Fontenay doit son nom à ses sources abondantes qui alimentent les fontaines de Porrentruy, entre autres. Le village comprend également la commune de Villars-sur-Fontenay et le petit hameau de Sainte-Croix. Il se trouve à proximité de Porrentruy, chef-lieu du district. Bien que Fontenay grandit au calme, à quelques pas de sa voisine, la capitale des princes-évêques, le village a pourtant souffert de cette proximité dans son histoire. Au XVe siècle, fâchés de voir les portes de Porrentruy fermées et inviolées, les Français et les Suédois incendièrent et pillèrent le village voisin, Fontenay. Les premières années de l'ère industrielle permettent à Fontenay de connaître un essor extraordinaire. On comptera 1428 habitants en 1900. Les guerres du XXe siècle, puis la crise de 1929, portèrent un rude coup au village, qui comptait à ce moment-là de nombreux chômeurs. L'histoire du château. Le médecin du prince-évêque Jean-François Faber, au XVe siècle, s'établit à Fontenay et fit construire le château avec ses deux tours mauresques. Après la Révolution, le château est rendu au village. L'administration communale y siège depuis 1976. Aujourd'hui, Fontenay se développe et tire avantage de la proximité du chef-lieu Porrentruy. Actuellement, on dénombre plus de 1600 habitants. La superficie du village est de 20 km², altitude relevée 458 mètres, et le surnom donné aux habitants, les Tchais.